Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter un nouveau produit, un nouveau matériel que j'ai acquis récemment. Pour une fois, ce ne sont pas des crayons, puisque j'en présente souvent, hein, j'aime bien le médium crayon. Là, ce sont des feutres. Ce sont les feutres de la marque OUU à mine pinceau. Alors, je colorie principalement au crayon, hein, pour les personnes qui suivent ma chaîne, vous le savez, mais j'utilise les feutres donc principalement pour les coloriages mystères et les mandalas. De temps en temps, je mets quelques touches dans les colos, mais c'est rare. J'ai en gamme les Stabilo Pen 68 que j'adore, les fibres à couleur Color qui sont l'équivalent des Crayola et les Staedtler Twin Tip. Ce sont ceux que, j'avoue, j'utilise le moins. Ici, donc, nous avons la gamme de 120 qui est présentée en trousse. C'est ce que j'ai trouvé sympa. Et c'est aussi Twin Tip. On a une mine fineliner et une mine pinceau. J'ai trouvé donc cette gamme de feutres pinceau OU sur Amazon à 33 euros. J'ai vu qu'actuellement, elle n'y était plus, qu'on nous proposait à 39-40 euros la gamme des 100. Alors peut-être que les 120 reviendront. Sinon, pareil, pour une trentaine d'euros, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Voilà. Maintenant, je vérifie toujours si à l'équivalent, effectivement, on peut les trouver pas vraiment moins cher, à quelques euros près. Voilà. Mais au moins, il y a la gamme de 120. Actuellement sur Amazon, donc c'est la gamme de 100. À voir si vraiment ça vaut la peine d'avoir la gamme de 120. J'ai peur d'avoir des couleurs qui se ressemblent pas mal, mais bon. Voici donc pour la trousse, trousse classique noire en toile, assez épaisse, avec le nom de la marque OU écrit dessus. Classique, très bien. On va donc l'ouvrir et découvrir les feutres ensemble. Les voici. Ils ressemblent à pas mal de feutres pinceaux que l'on trouve sur Amazon sous différents noms. Après, est-ce que ce sont vraiment les mêmes ou pas? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Ah d'accord. Alors, on a donc une trousse qui se présente comme ceci. Voilà, pas vraiment classeur, mais dépliable. Bon, bien sûr, on a pas mal de couleurs. À voir s'il n'y a pas des doublons. Je ne sais pas vraiment si on peut se fier à la couleur des bouchons. Forcément, il y a un peu de tout à voir. À voir. Comme je dis, s'il n'y a pas des couleurs trop proches, ou en tout cas, surtout pas de doublons. Ensuite, nous avions un nuancier, ok, qui nous fournissent. Bon, c'est souvent compliqué de s'y fier, malheureusement. Il a le mérite d'être là. Ah, un petit papier où on peut faire son propre nuancier. Pourquoi pas? Bon, moi après je me le fais à part, mais bon, pour les personnes qui n'ont pas forcément de classeur, qui n'ont pas beaucoup de gamme, c'est pratique d'avoir directement le nuancier dans la trousse. Ça, c'est pour ce qui est des nuanciers. Et là, d'accord, des mines de rechange au cas où. Ok, pourquoi pas. Pour ce qui est du feutre en lui-même, déjà, on voit qu'on a une référence chiffrée.
J'ai pas l'impression qu'il y ait le nom de la couleur écrite, effectivement. Donc on a juste le nom de la marque, OU Color Marker, et le dessin de la mine, ainsi que la description est écrite brush fineliner. Donc pour la mine brush, la voici. Bon, elle est assez conséquente quand même. Fine au bout, après à voir si ça s'écrase pas trop. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Ça va être une première pour moi. Est-ce que ça va être pratique ou pas? Faire des traces ou pas? Je ne sais pas trop. C'est vrai que pour les mystères, les gens utilisent beaucoup bah, les fibres à color et les peines 68. Hein. C'est pour ça que je les ai achetées. À voir si ça vaut la peine d'avoir des feutres comme ceci. Ah ouais, fineliner, c'est vraiment fineliner. Ah, c'est vraiment pour les petits détails. Ok. Bon, ils font très plastoc, très. Après, pour le prix, voilà, 120 couleurs plus la trousse pour une trentaine d'euros. J'ai envie de dire, faut pas non plus s'étonner. D'accord. Ah non, je vais le mettre dans le même sens. Ne commençons pas. Voilà. Ok, bon, ça va, c'est assez facile à rentrer dans les élastiques. Bon, à première vue, j'ai envie de dire pour leur prix, c'est toujours pareil, 35 euros, 120 ou 100 couleurs actuellement avec une trousse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un bon complément, des feutres que j'ai déjà. Comment ça se passe? Ah oui, d'accord, faut un peu refermer. Pardon, du coup, j'ai tout. Voilà, on remet dedans. C'est vraiment, ouais, à tester. Je sais vraiment pas si je vais aimer ou pas, ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir des doublons, des feutres secs, voilà. Vu que c'est des feutres quand même, pas de super gamme. Quoique, OU, il y a plutôt des bons retours. Donc, pourquoi pas. Comme d'habitude, je vais faire mon propre nuancier. Alors là, à mon avis, ça va être long. Un colo test, tout simplement, un colo mystère. Comme ça, je verrai si ça traverse, si ça fait des traces, voilà, puisque c'est principalement pour ça que je les utilise, et puis ça peut intéresser pas mal de personnes. Et je vous donnerai donc mon avis après tous ces tests. Sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé ces feutres. Fais mon propre nuancier et un colo test. Alors déjà, au reclassement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, je confirme qu'on ne peut pas se fier effectivement ni aux couleurs des crayons, ni aux couleurs qui sont proposé sur le nuancier. C'est quand même très approximatif, donc rien ne vaut faire son propre nuancier. Là, on se rend quand même donc bien classé, un petit peu plus compte des coloris. Jaune, orange, rouge, rose foncé. Ici, on a pas mal, après les roses claires, des couleurs qui font bien pour les peaux. Ensuite, on part sur des violets. Puis sur des bleus. Puis sur les verts bleus et les verts. Ensuite, des marrons. Alors, il y a des marrons un peu paille, un peu caramel, on a un petit peu de tout. Des marrons foncés, quelques gris chauds, gris froids et trois couleurs fluo.
Alors, je sais pas, je pense qu'il y en avait plus. Il y a un rose, un bleu qui me faisait hésiter, mais ils étaient de façon moins flagrante, on va dire, fluo. Ça faisait pas fluo pour moi. Ça faisait une couleur intense, mais pas vraiment fluo par rapport à ces trois. Donc, je les ai laissés dans le classement des couleurs classiques. Déjà, l'utilisation, ben, la trousse, franchement, c'est pratique. J'avais peur que ce soit un petit peu galère à chaque fois d'enlever et de remettre le feutre. Pas du tout. Si on regarde en détail, en fait, le côté fineliner, le bouchon est plus fin que le côté feutre. Voilà, si on y fait attention. Donc, du coup, on peut facilement rentrer par le côté fineliner et le feutre ne bouge plus à un certain stade, vu que le côté plus épais, c'est plus compliqué à sortir. Donc, après avoir fait attention, ça c'est pour vous, le côté pratique, de quel côté vous allez ranger selon l'endroit de la trousse pour pouvoir plus facilement récupérer, rentrer et sortir vos feutres. Mais en soi, pourquoi pas? J'avais pas de trousse comme ça où les rabats se replient sur eux-mêmes, on va dire. C'était plus des trousses classeurs. Et pourquoi pas? Ma foi, à l'utilisation, c'est pas moins pratique que l'autre. Même si c'est vrai que je préfère le principe le classeur où on tourne de façon classique. Donc, venons-en aux nuanciers. On a des couleurs bien intenses. On a un petit peu de tout. Alors, il y a des couleurs, je trouve, qui se rapprochent forcément sur 120 couleurs. Honnêtement, je pense qu'une boîte de 100 doit carrément suffire. Vous voyez, donc les jaunes, orange, rouge. Là, on a des roses assez originaux. Un peu vintage. Des fuchsias. Voilà, alors il y a des couleurs. C'est toujours pareil, un peu comme dans certaines gammes de crayons. Dur de savoir où les caser. Vous voyez, celle-là, j'ai hésité. On ne sait pas si elle est rouge, si elle est rose. Elle serait peut-être allée là. Bon, mon nuancier, bien sûr, n'est pas parfait. Par contre, si on suit leur logique à eux, ça part bien de 1 à 120 hein, dans le référencement chiffré. Mais par contre, ça crée des petites suites et c'est pas forcément très logique. Donc, on ne peut pas garder. Si vous vous en foutez finalement d'avoir un ordre, ben, vous gardez le nuancier qu'on vous fournit, effectivement. 1, 2, 3, voilà. Et vous retrouvez à quelle couleur ça correspond. Maintenant, sachez que l'ordre n'est pas correct. Il n'y a pas de logique, on va dire, dans les suites de couleurs. Donc, rien ne vaut son nuancier. Je n'ai pas eu de doublon. Pas de feutre sec non plus. Vous voyez, là, on a pas mal pour les couleurs peau, c'est sympa. Il y a deux couleurs. Alors là, ça me déposait du produit. De l'encre à eau, enfin bon voilà, c'est des feutres à eau. Mais sur le coup, j'avais pas de couleur, tellement la couleur est claire. C'est des beiges jaunes et beiges rosés. Et quand finalement ça sèche, j'ai dit ah oui, il y a un semblant de couleur. Mais alors là, ils ont fait deux couleurs super, super claires. Bon, ça peut servir comme base ou pour des pots, pourquoi pas. Ensuite, voici pour les violets. Bien sûr, on part sur les bleus, tout ce qui est bleu-vert. Vous voyez, dans les bleus, peut-être, celui-là fait peut-être un des deux, là, fait fluo, mais c'est pas flagrant. Ça fait pas fluo pour moi, ça fait couleur claire intense. Ensuite, les verts. On a un petit peu de tout dans les verts. Puis on part sur. Alors, des verts qu'on ne sait pas trop. Qui tire vers le jaune, vers le beige, vers le marron. Voilà encore une couleur bon, très très claire. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, j'ai mis là. Puis ensuite, celle-là, j'aurais pu la mettre dans les jaunes.
Mais elle allait nulle part, donc du coup, voilà. Je l'ai mis, on va dire, jaune paille, du coup, vers les marrons. Pas évident de classer les marrons, mais on en a quelques-uns. Des gris, le noir, et là, des gris bleus, gris vert. Une couleur, pareil, on ne sait pas. Il y a quelques couleurs. Ou c'est que le pigment n'est pas assez présent et du coup, je sais pas, la dissolution s'est pas faite. Ou alors c'est vraiment, c'est une couleur. Ça donne un gris vert, mais très très clair. C'est très bizarre. Enfin bref, donc je l'ai mis là. Et là, voilà. Là, trois couleurs, pour moi, oui. Ça fait fluo. Mais j'ai pas eu de bleu ou de rose qui, de façon flagrante, m'ont semblé des couleurs néon. Donc on voit que forcément, on a un petit peu de tout en couleur. Pas de doublon, je le répète, mais des couleurs quand même quelquefois très proches. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ce qui est de l'utilisation, je vous rappelle donc que j'avais les Stabil Open 68, les Fibracolor et les Staedtler Twin Tip. Donc, je n'avais pas de feutre pinceau. C'est mes premiers feutres pinceaux et j'ai trouvé très agréable à l'utilisation. Quelques mines étaient un petit peu plus dures, mais alors infimement plus dures que d'autres, mais on a bien cette souplesse du pinceau. C'est super agréable à travailler. Voilà, c'est vraiment une mine pinceau. Je me suis dit aussi bien c'est que la forme et tu vas te heurter à quelque chose qui n'a rien à voir. Eh bien si, franchement très agréable. On peut jouer donc par rapport aux détails, soit carrément sur le côté fineliner, soit sur l'inclinaison, on va dire, du feutre. Forcément, si je veux faire un trait fin, je vais le tenir de façon un petit peu plus verticale. Et si vraiment je veux une grosse zone, de façon un peu plus plane, horizontale, pour me servir de toute la largeur de la mine. Enfin, franchement, très bonne surprise, les feutres pinceaux, vraiment agréable à utiliser. Maintenant, donc pour le rendu, j'ai inauguré donc mon coloriage, mon livre de coloriage Mystère Chiot et Chien Disney. Et voici. Je colorie par ligne. Donc là, j'ai continué avec ma technique par ligne, sans pour autant faire de grosses lignes. Vraiment aller-retour. Et d'habitude, pour qu'il y ait le moins de traces possible, je repasse au crayon. Chose que je n'ai pas faite là. J'ai été très agréablement surprise. Je sais pas. Alors, j'avoue que vu que je suis pas une pro du coloriage mystère, c'est pas ce que je fais le plus. Les chaînes qui en présentent beaucoup, qui font beaucoup de Disney ou de mystère, je ne suis pas. C'est pas un univers que je suis énormément. Du coup, pour moi, j'en suis restée au Fibracolor et Pen 68 qui était conseillé, on va dire, il y a 2 ans. Ça a peut-être évolué, mais je vois pas beaucoup de personnes qui colorient avec des feutres pinceaux, alors que franchement, on cherche les traces, hein. On cherche les traces. Franchement, j'étais agréablement surprise du résultat. C'est pas parfait, parfait, mais je trouve que j'en ai presque moins qu'avec mes autres feutres et que ça peut m'éviter de repasser au crayon. Pour les zones blanches, j'utilise du Posca blanc, hein, peinture acrylique blanche, pour éviter qu'on voit les traits dans ces zones. Mais franchement, super résultat. Franchement, je suis contente du résultat. Agréable à utiliser. Et rapport quantité-qualité-prix. Je sais qu'il y a les Arteza du coup qui me tentent. Mais là, on passe dans une autre gamme de prix. Donc, à voir. Hein, mais là, pour 35-40 euros, je vous mettrai le lien. Vous avez 100, 120 feutres. Ça dépend si les 120 sont de nouveau
de nouveau disponible ou pas, mais en tout cas, vous avez la centaine de feutres, plus la trousse qui finalement ne gêne pas et est très agréable pour le rangement, très pratique à utiliser. Donc, bah, contente de mon achat, je ne suis pas très feutre, mais écoutez, voilà, ça complète les gammes que j'avais. Et feutre pinceau, bah, super finalement pour les coloriages mystères. Ah oui, ça n'a pas traversé. Important quand même de le dire. Hop, 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 voilà. Ça n'a pas traversé. À faire peut-être attention sur du papier très très fin, mais j'ai envie de dire comme tous les feutres. Bien sûr, ce sont des feutres aquarellables, comme tous les feutres à eau, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce côté pinceau, il fait penser, donne envie de peut-être s'en servir aussi de cette façon-là. Mais en tout cas, voilà, un feutre classique déjà, super. Donc, ces feutres pinceaux, ces brush pen, comme on dit, OU. Tip top, voilà, contente de mon achat. Comme toujours, hein, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour suivre les prochaines sorties. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas non plus, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo!